Oui, enfin, dans ce métier, on est toujours un petit peu un immigrant. On va de ville en ville tous les jours, on connaît surtout les hôtels. Alors on se fait des appartements, on y met énormément de jolies choses et puis on ne les voit jamais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là où j'avais eu des articles affreux du point de vue chanteur, du point de vue acteur, on m'a toujours un peu encensé, peut-être un peu trop. Tandis qu'on m'a aidé en me disant que j'étais mauvais dans la chanson. Je me disais, voilà, ce monsieur ou cette femme n'aime pas ce que je fais, il dit du mal de moi. Le meilleur moyen de lui faire beaucoup de mal, ce n'est pas de le frapper ou de faire du mal, c'est de faire quelque chose de mieux que ce que j'ai fait jusqu'à là. Une très bonne chanson, ça fait énormément de mal à un détracteur. Je suis une colère ambulante, je suis toujours en colère. Quand c'est pas après quelqu'un, quand c'est pas après une chose qui me déplaît, c'est après moi-même. C'est pas une colère méchante, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir en colère pour pouvoir avoir la force de continuer. Parce que souvent, je me dis, avec ce que j'ai fait, je pourrais m'arrêter, prendre un mois de vacances, ou deux mois de vacances, ou six mois de vacances, et en fait, j'en ai pas envie. Je ne me retourne jamais sur mon passé. Je pense que le passé est un merveilleux réservoir pour écrire. Mais c'est devant qu'il faut regarder. C'est vivre le temps présent et être attiré par tout ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'argent. Je prends le pouvoir pour pouvoir commander les gens. Mais en fait, savoir que je suis une vedette, c'est au prix qu'on sait que quelqu'un est une vedette. Je voulais dire aux plus jeunes qu'il existe des choses formidables dans le passé qui fait partie de notre patrimoine. Et je voulais dire aux anciens, il ne faut pas juger la jeunesse sur ce qu'elle fait parce qu'elle fait ce qui lui vient de son époque. Jugez-les autrement, voyez qu'il est capable, c'est cette jeunesse qu'elle est capable, elle aussi, à chanter des choses que l'on ne chante pas aujourd'hui.